Samedi 4 mai, Jade est à la marina de Papeete et s'apprête à larguer les amarres direction Moréa avec à son bord un équipage exceptionnel puisque mes deux sœurs sont avec nous depuis une semaine maintenant. Donc on s'est déjà pas mal promené sur Tahiti avec elles. Point de Vénus, trois cascades, Presqu'île. Surtout, elles ont fait un baptême de plongée assez exceptionnel. C'est parti pour le baptême. Dans lequel je les ai accompagnées, bien sûr, pour prendre quelques images. Samedi 4 mai, aujourd'hui c'est départ pour Moréa. Vous êtes prête pour Moréa? Oui. Pour les explications du capitaine? Oui, je suis prête. Donc Lydie a navigué une fois au Panama et Céline n'a jamais encore navigué. Mm-hmm. Donc il va falloir tout expliquer, vas-y. Tout expliquer, on va se dire minimum. Donc bon, on va à Montréal. Oui. 4 heures. 4 heures normalement, qui devrait être tranquille. Ça ne devrait pas trop bouger. Vous avez pris vos cachets, donc vous ne devriez pas être malade. Première chose, on a des gilets de sauvetage sur le bord. Ce sont des gilets de sauvetage individuels autogonflables. C'est-à-dire que vous tombez à l'eau. Il y a une pastille de sel qui se dissout,
qui vient activer un... Le fait de se dissoudre, ça relâche un système qui vient percuter une sparklette, une petite bouteille de gaz, et le gilet s'ouvre. Donc, premier système automatique. Deuxième système, côté cœur, ce truc qui pendouille là, qui est facile à retrouver. Et troisième et ultime système, qui celui-là est infaillible, puisque c'est vous qui l'utilisez. Donc, à l'intérieur du gilet, alors, si on tombe à l'eau, que ça ne s'est pas gonflé, c'est des velcro, hein, donc on peut tout ouvrir, le truc jaune sort, et à l'intérieur du truc jaune, il y a un embout gonflable à la bouche. Donc là, il suffit de faire ça, de souffler, et ça se gonfle. Si quelqu'un tombe à la mer. Si quelqu'un tombe à la mer. Là, le point le plus important, c'est de garder visuel sur la personne qui est tombée à la mer. C'est ça le plus important. Parce qu'une fois qu'on est dans la mer, une tête, même s'il y a une bouée orange autour du cou, c'est difficile à voir. Donc, il faut qu'il y ait une personne qui, dans la foulée, regarde où est la personne. Donc, si quelqu'un tombe à la mer, dans un premier temps, vous regardez tous. Voilà. Et puis là, la personne responsable, c'est moi qui tombe à la mer, ça sera Estelle. Si c'est n'importe qui d'autre, entre vous, ça sera moi. Donne après des consignes. Dis, toi, Céline, tu continues à regarder Estelle à l'eau. Souvent, on dit qu'il faut pointer la personne pour être sûr qu'on la perd pas de vue. On garde le bras tendu, le doigt tendu vers la personne. Il faut vraiment et garder constamment. C'est-à-dire que là, il faut bouger ou garder constamment la personne en visuel. C'est très saillant avec votre belle robe et votre beau petit haut. Ouais. Si, mais parce que tu l'as mis pas pour la briller, mais c'est pas grave. Ça, ah oui. Bon, et la soucoupe. Toi, Lydie, la soucoupe. Le soucoupe. Lydie, t'es déjà mort, toi. Hein. Regarde sur bâbord. Bonne balade. Merci. On se présente devant la passe de Papété juste en même temps que la navette rapide. Donc là, il n'y a pas trop de questions de priorité. Hein. De toute façon, il est tellement gros. On ralentit. On le laisse gentiment passer. Il va nous faire quelques vagues. Allez, c'est parti pour la passe. Avec un petit rayon de soleil. Donc 20 nœuds de vent au grand largue, pratiquement pas de houle. On est sur des conditions juste idéal. Donc voilà les 20 nœuds annoncés. On avance vachement bien, 6 nœuds, 6 nœuds et demi. Capitaine, t'es content? Et avec oui, full génois. Ouais, mais on a fait un petit peu de grand voile. Ah, il y a un tout petit peu de grand voile. Pourquoi? Parce que j'ai la flemme de la sortir complètement. C'est une très bonne raison. Petit tamponnage en arrivant devant la baie d'Okuno. On a passé la baie de Cook qui est ici et on va direction baie d'Okuno qui est là.
On a encore du vent et ça c'est chouette. Bah bonne plage. Merci. Profite bien. Attention. Je sais pas pourquoi je la fais les bras. À ce là vous n'oubliez pas. Hein. Non, t'oublies pas. Donc on laisse Céline à la plage. Céline qui a une petite phobie des requins. Et là, il se trouve qu'on va à l'endroit justement pour en voir. Donc elle va le passer la matinée tranquille sur la plage. Et nous, on part en expédition. Prête, Lydie ? Ouais. Allez. Contente. Enfin largué Céline. Bon. Allez, c'est parti. C'est parti. Chucks and Ray. Ça fait peur. C'est bien accroché. Mercredi 29 mai, on est à Moréa, mais du temps a passé. On a eu le temps de faire un aller-retour Moréa-Papété. On a ramené mes deux sœurs qui ont pris l'avion pour Paris. Et nous, on a profité d'être à Papété pour faire deux, trois petits trucs. Nous voici de retour à Moréa. On s'est encore pas mal baladé. Lui, il venait de la rejoindre.
j'ai des ananas. D'accord. Ah ouais, mais tu peux être parti par là-bas et revenir. Ça te fait, oui, ah, c'est super beau. Et là, on est prêt à lever l'ancre pour les îles sous le vent, pour Wahine, la première d'entre elles. Et on a 2 mois devant nous pour profiter des îles sous le vent. Donc ça va être chouette. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une nuit en mer. Ça te fait quel effet? Pas grand chose. Moi, j'appréhende un peu, moi. J'ai perdu l'habitude. La couchette de Nav est prête. Avec sa toile anti-roulis et ses beaux tissus tahitiens. Le cake de Nav est prêt. Toujours pratique un petit cake pour une navigation de nuit. Donc c'est parti. Et aujourd'hui on teste un nouveau truc. Tu m'entends? Comme ça on se gueulera plus dessus. Non, on se gueule pas dessus, c'est une blague. Pas drôle. Ah, c'est trop bien, je te garde tout ce que je fais. Je suis sûre que tu m'entends comme ça. Tu m'entends toujours? Il n'y a pas trop de vent. Voilà, il y a l'ombre qui arrive. Attention, bim. Attends, il y a un petit peu de sable, je la redescends. Hop, je la nettoie. On dirait comme des skippers pro. Trop la classe. Donc ça y est, c'est parti. Direction Wahine. Le vent est pas très très fort. Allez, on a 15 nœuds. Donc, et le vent devrait tomber cette nuit. Donc on va essayer de faire le maximum de route tant qu'il y a ces 15 nœuds. Comment va Estelle? Ça va. Reprise de navigation. Ça va. Parce que la navigation pour venir ici depuis Tahiti était quand même pas vraiment une vraie navigation, même si c'est sortir en mer. Il n'y a pas de fausse navigation. C'est vrai, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de vraie et de fausse navigation. Sur des petites navigations. Exactement. Exactement. Donc voilà, on arrive à Wahine. On va passer par le nord de l'île, on a du vent du sud-est et c'est pas les meilleures conditions de vent pour arriver, puis on a un vent pas très très fort, donc on est au grand large. Voilà, on est là devant nous, là, c'est le Paul Gauguin, c'est un navire de croisière qui vient de nous dépasser, qui va rentrer dans la baie qui est ici. Et nous allons faire le tour de l'île par le nord et venir se mettre ici dans la baie où il y a déjà quelques bateaux. Voilà. Une nuit un peu difficile pour ma part. J'ai été malade. Le capitaine a assuré. Il faut se remettre dedans. Hein.